Salut les potos, c'est Speedy Lily, on se retrouve sur Custom Robaria. Là-bas, la dernière fois, on avait parlé à Harry qui s'est planté parce qu'on l'a déconcentré malheureusement. Là-bas, là, il faudra qu'on retrouve un robot. Bon, on a un petit cube qui est là, on va appuyer dessus. What's this boss? C'est quoi cette boîte? Hein, il y a un bouton derrière. Je suis mieux de presser, je suis mieux de demander à Harry ou je suis mieux d'oublier ça? Ouais, on va appuyer ce bouton. Là, il appuie. Ça a buzzé. Ok, ça a commencé à buzzer. Waouh, est-ce que tu viens de faire le scan, le registre de scan? Attends, mais j'ai toujours. Putain, pas ce nom-là dans ma tête. Désolé. Je sais pas, j'essaie de le mettre en traduction, mais ça me rentre pas dans la tête. Attendez. L'enregistrement. Mais non. Merde, c'est quoi cette merde? L'enregistrement de par balayage des yeux. Bon, on va dire que c'est de la merde. On va dire que c'est juste un scan des yeux. Tu m'as même pas dit si ça servait à quoi ça? Le scan des yeux. C'est quoi que tu regardes dans le sensor du robot quand tu appuies sur le bouton? Mais il n'y a pas temps d'expliquer. Pour le point, c'est juste toi qui peux contrôler ce robot. Maintenant, grouille-toi et dive. Dive? C'est ça le robot? Tais-toi et fais qu'est-ce que je fais? Bat ce bandit. Ok. Pense à ça, kid, enfant. Tu sais, tu vas aller contre moi, mais si t'as jamais utilisé un robot personnalisé? Ce mec là, attends, ce gars là il pense qu'il est tough parce qu'il y a eu de la chance contre moi. Ouais, mais ne sois pas, n'aie pas peur. Il vient d'être se faire affaiblir par notre combat. Tu pourras facilement le battre. Maintenant écoute-moi, ton robot peut tirer avec le canon robot par le côté gauche. Robot canon? Canon robot je veux dire. C'est une machine qui tire par les robots cubes. Le robot cube transforme. Le robot cube se transforme quand il a été tiré. Quand le robot cube tombe à zéro, la transformation est complétée. Après ça, tu appuies sur B pour tirer avec ton fusil. Utilise ton fusil pour blâmer même sur l'énergie de zéro jusqu'à ce que zéro et en plus tu gagneras. Utilise ton. Ok, ton control scheme pour tourner. And use the B button for. Ok, tu sais pour. Non, j'ai pas compris, mais bon, on va dire. Compris, pas compris, je pense que les. Bon. Ce combat lui a rendu faible, juste fais-le. Bon, ok. Ok, pourquoi il faut que tu utilises une bande d'armes? Pourquoi, je sais pas, mais bon. Alors, on a. Bon, on va regarder notre combo. Ok, on a celui de base. Le Ray 1. Ok, ouais. Ken dash toi, bon, ça se voit qu'il peut dasher deux fois en l'air. Collision, c'est-à-dire qu'il peut juste rusher. Bon, le gun de basique, la bombe, ok. Sur l'air, on a pas mal de choses. On a les bombes. On a le gun, les bombes. Le pod. C'est des poids, je sais pas quoi on va voir pendant ce jeu-là. Et on a les jambes. Ok, il y en a pas mal. Alors bon. On voit les attaques, la rapidité, le homing, le size, le timing, je sais pas c'est quoi, mais bon. Ok, la même chose pour lui et la même chose pour lui. Bon, ok, et puis bon. On a le down, le defense, le speed, le sky et l'attaque. Ok, je sais pas c'est quoi pour l'instant, mais on va garantir tout ça. Alors, qu'est-ce que mon data vous dit? Ok, il veut juste me dire que. Ok, lui a même chat que moi alors. À part que lui a Splendor. Ok. Ok, la basique, ok, on commence avec des basiques. Ok, alors bon, on va commencer. On va avoir un petit combat. Bon, moi j'ai joué sur GameCube dans le temps, mais bon, c'est sûr, mes skills sont pas aussi bons que ça pour l'instant. Alors, lui est à 1, moi je suis à 5. Ok, non, lui t'a rendu à 3 maintenant. Ok, bon, ça c'est le charge. Donc ça c'est les bombes, ok ça c'est les potes, ok c'est les petits trucs comme ça, bon. Ça a des mini-bombes quoi.
toucher. Mec, ok, le mec est à terre pendant... Ok, il y a des formes de difficulté. Ok, cela peut se faire des trucs. Oh, what, mec? Ok, si on peut faire ça aussi, ok, nice. Oh, c'est assez facile comme combat. Oh, ça c'est bien commencé le jeu, mais bon. Bon, moi j'arrive à bien prendre en possession le robot, alors bon, même si ça fait quelques années, on arrive toujours à tenir le robot, alors bon. Ah, ok, ça sauvegarde. Bon travail. Oh, un des gars officiers vient de perdre. Va là-bas et bon, va nettoyer cette merde. Putain. Je pensais que les policiers étaient meilleurs que nous. Comment cette merde, mec? Je viens de commencer le combat et je viens de commencer le jeu et les mecs sont à chier. Oh, come on, God. Oh, vas-y. Je viens de battre ce gars-là. J'ai pas le droit à une petite pause. Ok, écoute. Ça se voit que ce gars-là est fatigué par l'autre combat. Si tu écoutes bon, vas-y, je sais plus, mec. Tu devrais à bord de battre. Utilise la button to firebomb, ok, ça c'est bon qu'on a vu. Et elle pour les potes, ok, ça que j'ai vu. Doesn't stop you being able to move. Ok, si tu shoots tes potes, tu seras encore capable de bouger. Cours vers ton opponent et utilise les boutons L. Utilise ton bouton L pour utiliser ta bombe et pour les bobs. Compris, compris, j'ai compris. Je pense que j'ai compris, mais je l'ai pas. Ok, bon, ok. Si, ok, ah, oh. C'est-à-dire, si tu te fais attraper par ta propre pod, par l'explosion de ta propre pod, tu prends des dégâts. Ok, bon. C'est pas l'air, c'est une situation que j'avais déjà utilisée au début. Alors, on n'a pas de nouvelles. Ok, lui utilise des Meroy pour un mec plus gros. Ça a l'air, c'est le fun, tu sais, ça me rappelle un peu, mais bon. Il tombe à 6, il tombe à 4, ok. Cool. Voilà. Oh, je suis déjà down. Ah, ok, c'est à dire quand je tombe, mais bon, mais les tirs marchent plus. La raté. Touché. Ah, crap. Non, mais ouais, mec, me fait un spin. Ok, bon, je vais juste faire ça deux fois. Touché, nice, ok. Bon, moi j'utilise la technique de charge qui fait un peu plus de dégâts parce que c'est genre ton robot qui rentre dans l'autre. Bon, il a un petit move stylé. Ah si, un seul truc. Et voilà, le deuxième bandit à terre. Pas pire pour un amateur. Non, mais... On a perdu un cop, prends le prochain gars. Mais mec, t'es sérieux là? Je pensais que t'es comme... Ok, ce policier n'est pas n'importe quoi, mais j'ai besoin d'un break. Il a l'air pas mal fatigué. Si tu écoutes mes conseils, voilà, je viens de retrouver le mot. Si tu écoutes mes conseils, tu serais brave de gagner. Utilise le bouton A pour sauter, tu peux faire un dash twice, ok, tu peux... On peut dasher deux fois. Un tour de robot, juste appuyer deux fois pendant ton saut. Tu peux charger en plus, oui, c'est bien. Ouais, ok, c'est ça qu'on faisait, nous on faisait l'attaque charge. Le robot ne peut plus aller quand il est en bas parce que son système a besoin de rebooter. Ok, ouais. Oui, j'ai compris.
Ok, tu peux juste faire une charge quand t'es à terre et non pas quand t'es en l'air. Ok. C'est-à-dire qu'on peut juste charger avec mon robot comme on peut le voir. Quand le mec, je le mettais down une seule fois, ben on pouvait. On voyait qu'on pouvait le faire une seule fois et non pas. Oh, je savais même pas qu'on pouvait pas le faire en l'air. Je sais qu'il y a certains robots qui font un piquet, genre comme ça, genre, mais. Lui est à 5, je suis à 4. Bon, ok, je pense que je pourrais le rattraper. Voilà. Ah, ça va, je peux pas le faire. Oh nice, ok les deux potes plus la bombe. Ah c'est bien ça. Ah, on peut sur notre petite estrade quoi. Tu as maintenant accès au Twin Flame Pot F. Va visiter le part générateur, le générateur de part. Ok. Tu penses quoi? Ouais, je pense qu'on a fait du bon pour ton voile. Oh come on, mec, les policiers sont à chier. En plus un autre, la police squad. Ne fais rien du tout, et voilà le dernier. Avant que tu vas vers l'autre gars, va vers le générateur de parts. Et va prendre une nouvelle partie. Le générateur de parts. Je vais t'expliquer plus tard, juste va là-bas et appuie sur A. Tu as une nouvelle partie, genre. On va appeler ça, ben c'est quand même un nouveau. Je vais vous expliquer ça. On va là-bas, ok, je comprends, juste aller là-bas, pas vrai, oui. En plus, il reste qu'un mec, un dernier gars, bon. Ok, ouais, c'est ça qu'on avait eu là. Ok. Qu'est-ce que t'as vu? Je me suis tourné mon dos une seconde et tous les mecs sont tombés. Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais j'ai besoin de ce robot. Le gars, il est complètement épuisé. Ça devrait être facile de le battre. Mais, still. Mais, tu devrais écouter mes conseils. Utilise le contrôle pour changer de direction quand ton robot cube est lancé. Quand ton cube touche le sol, le numéro commence. Show how long it needs to charge. Ok, ça nombre, ok, le nombre de temps que ça prend pour se transformer. Pour augmenter, appuie sur le contrôleur bouton rapidement. Sur la forme, avant ton opponent, tu peux attaquer le premier. Utilise le bouton pour amener ton kato où tu veux le tirer et puis taper ce bouton. Ok, donc ça qu'on faisait depuis toujours, nous aussi. Ok, voilà. Bah, nous, on bougeait, vous allez comprendre. Pour les parts, c'est, je pense, les équipements, genre. Ouais, on va regarder, bon. Bah c'est ça, je pense. Il y a ce nouveau pod, alors il est où? Ok, voilà. Deploy one pod left and one pod right. Ok, un à gauche et un à droite. Ok, ça déploie deux en même temps. Utilise devant, ok, in advance. Use it when a wall separates you and the fog. Utilise quand il y a un mur qui sépare entre toi et ton ennemi. Ok, cool. Bah je pense qu'on va appeler ça plus des équipements. Générateur d'équipement, c'est plus facile comme ça. Même si c'est pas vraiment un générateur, c'est plus quand tu te bats contre quelqu'un et tu gagnes, il te donne un équipement. Alors bon, c'est un peu bizarre. Bah, parce que c'est traduit en français, en anglais, c'est. En plus, on a l'air pas mal. Touché. Ah, bah, on va voir notre nouveau pote, qu'est-ce qu'il fait. Ok, ça se voit. Ok, il fait juste tirer de l'autre côté. Okay. Ok, lui ça tire directement et ça va pas. Oh, what the fuck, c'est quoi ce fusil là qu'il a?
Oh god. Là, c'est le bon, mais plus rapide que la mienne. Wow, ok, le mec vient me tirer une rafale de 3 là. Nice, ok, j'ai tué, nice. Alors bon, assez. Avec le. Bon, je sais pas, y a... est-ce qu'il y a l'arme meilleure que le standard? Oui, parce que le standard c'est. Vous avez maintenant accès aux 3 Wagon. Bon, je pense que c'est celui qui utilisait les 3 qui tiraient comme ça, genre. Bon, c'est mieux que le basique aussi. Ok, on les a tous eus. Tu n'es pas si mauvais. Ah, ok, voilà que la mémoire s'écrit tout seul. Encore un autre policier. Vous êtes à chier, les policiers, bro. Est-ce que c'est ok, Harry? Quoi? Quand que tu es arrivé ici? Quoi, ça t'est frappé la tête? Écoute, parce que la raison pourquoi t'as perdu, c'est parce que tu ne t'entraînes pas bien. Je te dis comme avant, je veux dire encore, tu n'as... Il faut que tu sors de ce business de mercenaire. Il commence à étudier et puis va te chercher une classe A de licence. Et après, je joue à la squad de la police. Ah, commence pas encore avec ça. J'ai déjà dit. Because dead in one of those. Je t'ai déjà dit que je voulais pas être dans ce genre d'uniforme. Regarde, même moi je paye tous tes examens si tu veux. Ça va pas te coûter un sou. Vas-y, qu'est-ce qu'on t'en passe? C'est pas à propos de l'argent aussi, c'est juste que j'aime pas étudier. Mec, genre c'est gratos. En plus t'es mieux payé. Captain Mira, on a envoyé les criminels bon, sur la base générale. On va retourner avec eux aussi. J'arrive pas à croire qu'on avait besoin de ces chercheurs de primes. Je suis sûr que la police squad qui est présente va retourner à l'entraînement encore plus dur. Captain Mira, on devrait retourner à la base. Je viens de le dire, il n'y a pas fucking 2 minutes, je viens de l'oublier. Ça me pète le cul, ça. La base générale. Je vais t'attendre devant. Plus tard, je vais travailler pendant tard le soir. Ne m'attends pas, va te reposer. Et garde-toi au chaud quand tu vas donner. J'ai pas envie que tu t'attrapes un froid. What the fuck, bro? Sérieusement? Elle me dit toujours comme. Elle me traite toujours comme un enfant. C'est ton frère? C'est ton frère, c'est ta grande soeur ou c'est ta petite amie? Mec. Pourquoi il y a cette option là pour est-ce que c'est ton frère? Ça ressemble même pas à un gars, genre. Pourquoi pas, genre. C'était ton frère? Mon frère? C'est ma plus vieille soeur. Même si des fois elle agit comme un garçon. C'est trop drôle. Genre, hein, c'est ton frère? Oh putain. Harry, est-ce que tu es blessé? Linda, ouais, je me suis jamais senti aussi bien. Mais. Alors, passant, Harry, c'est qui lui? J'ai jamais vu. Ah, Nava, est-ce que c'est à nouveau? De toute façon, il y a ce qu'il a pour devenir un bon commandeur un jour. De toute façon, il y a encore pas mal à apprendre là. C'est très vrai. Je suis complètement avec toi, Linda. Tu es vraiment observante, t'es incroyable. Un bon commandeur, chiche. Dis-moi, Harry, j'ai une idée. Pourquoi pas le laisser utiliser le nouveau robot Ray One? Il est adapté pour lui, il s'est adapté vraiment, vraiment rapidement. Je voudrais avoir des enregistrements, des informations sur les gens et les contrôles de cette intégration. Quoi, tu veux que j'aille? Mais pas vraiment, mais tu sais, mais avec nous. Il venait ici pour regarder pour un travail. Le chef. Il voulait. De toute façon, le chef voulait pas l'engager, de toute façon. Oh, vraiment, je vais le recommander à Ernest qui l'engage par moi-même, alors. J'ai vraiment envie de voir sa face. Si on peut partir avec. Et puis en plus prendre Ray One, genre le nouveau robot. Bien sûr, allez-y.
Bien sûr. Ah, bien sûr, allez-y. De toute façon, il a déjà fait son scan, so c'est juste lui qui peut l'utiliser. Ah, bah oui. Dang. C'est moi, j'avais fait le contact la première fois. Belle. Bah, c'est ça que tu veux, alors personne. Bah, qui va t'argumenter avec toi? Ok, vas-y. C'est bien, de toute façon. C'est quoi ton nom? Ah, une autre bonne question. J'ai complètement oublié de te demander. Ah, rien, vraiment, dis-moi ton nom. On va s'appeler. On va s'appeler Speedy. Parce que la dernière fois, je me suis appelé Ellie. On va s'appeler Speedy. Mec, il m'engage et c'est même pas mon nom, putain. Mais tu as un petit. Ah, ou. Ah, ouais, vous mettez un signe de pièce. Ouf. En fait, je pourrais mettre le signe de pièce comme ça. Ouais, ça serait beau ça. Voilà, on va mettre le signe de pièce. Bon, je sais pas. C'est drôle, il a vraiment mis le signe de pièce. Hein, c'est moi Linda même. Bien. Bien, suis-je. Le Taïbas me dit que je vais parler au chef. C'est pas bien, Spizzy? En passant, Linda. Est-ce que tu veux aller bouffer? Oh, je suis désolé, j'ai trop de choses à faire. De toute façon, tout le laboratoire s'est rendu un grand chantier de bataille. Merci, grâce à ces méchants. Lassan, ton travail est fini ici. Tu ne devrais pas retourner à Stellar, à l'office du Stellar. Je vais appeler Ernest et puis je vais parler à propos de Speedy plus tard. A plus tard, Harry. Speedy, prends soin de R1. Oui, R1, ok. Au moins, on a un robot gratuit. Et puis, bon. Harry, je ne veux toujours pas faire devenir policier, je ne sais pas pourquoi. Elle sait que je suis un gars occupé. Elle a beaucoup de classe, là, ça, ok. Une femme mature. Comme ça. J'ai oublié ce que je dis. Je voulais te dire à propos des générateurs d'équipement. Ça sert cette machine? J'en ai une dans mon appartement. Quoi? Qu'est-ce qu'un générateur d'équipement fait dans son appartement? Tu n'as pas un robot personnalisé et tu sais même pas quelque chose. Ça allait à mon père et en plus, j'avais compris ça servait à quoi jusqu'à ce que je m'en sois ici. Ah ouais? Ouais, bien. Je veux juste prendre tes mots, genre juste bon, prendre tes mots comme ça. Genre. Allez, juste moi t'expliquer. Un générateur de. Ok, wow. Un générateur d'équipement enregistre les nouvelles informations qui est dans ton robot cube. Quand tu achètes un robot, ça vient juste avec les pièces standards. Tu vas pas avoir accès à tous les équipements si tu n'as pas assez d'expérience. Quand ton robot se bat en combat, il apprend des combats d'expérience et c'est le computer, mais c'est le computer à l'intérieur qui enregistre les combats, les informations du combat. Les générateurs d'équipement lisent automatiquement les records et ils te donnent une nouvelle partie. Si des nouvelles parties que tu as, tu peux les utiliser pour ton prochain combat. Les parties que tu veux utiliser, c'est ton choix, tu peux le personnaliser combien de fois tu veux. Ça c'est tout pour le stuff dur. C'est mieux de checker, ils disent c'est mieux de checker les générateurs d'équipement à chaque combat, mais ça vous le dit quand vous avez un nouveau, ça vous dit you got a new part, ça vous le dira, alors ça sert à rien de checker à chaque combat. En plus, même si vous oubliez un ou deux, je pense que les gardes et après ça vous les redonnent de toute façon d'un seul coup toutes. Ton opposant va pas t'attendre, alors t'es mieux de faire ça rapidement quand tu veux aller au générateur d'équipement. Et en plus, pas juste sortir du combat pour aller chercher. C'est pour ça que c'est mieux de checker le générateur de partir après chaque combat. Même si tu oublies de checker après un combat, tu peux aller toujours les chercher. En fait, si tu n'as rien, pourquoi pas aller chercher maintenant? Le plus d'équipement que tu as, le meilleur que tu peux customiser pour besoin qui va donner un avantage en combat. Ok, c'est ça, ouais. Bon, ils disent encore de rechecker chaque combat. Ensuite, tu peux ouvrir ton costume avant un combat. Si tu appuies sur le bouton R dans le menu, tu peux t'entraîner avec ces nouveaux équipements.
quand tu sortais du mode d'entraînement, appuie sur start et appuie sur le tir. Ok, got it? Ok, j'ai envie. C'est sûr, well. C'est bon, appuie sur start et. Ok, ouais, c'est ça. Ok, let's get back to the office. Ok, cool. Spécialement que tu partes. Pourquoi tu demandes pas ces infos? Pourquoi tu demandes pas là pour ces infos? Tu sais, les mecs qui recherchent. C'est sûr, il y a plein de stuff à t'apprendre. Donne-moi une seconde pendant qu'on parle. Bon, pendant qu'on a fait ça, bon, c'est juste pour dire que. Voilà le 3 Wigan, enfin. Ça a rien de checker à combat, de toute façon, je vais vous le dire. Bon. Là, il faut juste parler à ceux-là. Bon, les criminels, ils sont pas passés avec Ray One. Blablabla. Quand tu dives, ok, ouais. Voilà, il faut juste vous donner des informations générales, ok. Ouais, ok. Bon. Ça serait juste des informations générales, il n'y a pas grand chose à. Vous apprendre ce qu'il vient de vous dire, Harry, c'est la même chose. Composé de Frank Portier, le corps, le gun, Moscou. On connaît déjà tout ça de toute façon, c'est pas très intéressant ce qu'ils nous disent. De toute façon, le scan des yeux, vous voyez, c'est toute la même chose. Je pense qu'ils vous font juste un rappel des jeux, de ce que vous venez de voir. Tu vois, ils viennent parler des générateurs de robots. Ok. Bon, on peut se barrer, Harry. Y'a rien d'autre. Ok, on peut partir. Oui, on peut partir. Ok, let's go. Oh merde, ça fait déjà 26 minutes. Ok, on va s'arrêter là, malheureusement, parce que la vidéo fait déjà 26 minutes et j'avais même pas remarqué le temps. Ah bon, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo sur Custom Robot. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout pour le prochain épisode. Ciao les potos.